voit dans ces documents, Jean-Claude Dacier, c'est que la justice soupçonne aussi... Il y a un document d'un juge. Dans le Canard enchaîné, il y en a. La justice soupçonne que, sur certains transferts, le milieu marseillais, le banditisme, faisait partie des intermédiaires. Ça existe ou pas, ça? Écoutez, j'ai pas vu de... Que la police fasse son travail sérieusement, n'est-ce pas, à Marseille? Le milieu des agents, j'ai été depuis longtemps l'un de ceux qui le dénonçaient en disant qu'effectivement, il se passe peut-être des choses entre eux qui ne sont pas totalement satisfaisantes. S'il y a des menaces entre eux, s'il y a de l'extorsion de fonds entre eux, mais que la police fasse son boulot, le démontre et les arrête et les empêche de nuire. Bah, la justice est en train de faire son travail, en tout cas. Voilà. Donc, la justice est en train de faire son travail et donc on mais a des éléments qui pour sortent. Pour le moment, vous avez vu quelque chose arriver dans le milieu des agents? S'il s'est passé des choses anormales dans le milieu des agents, mais c'est ce que j'ai dit au juge d'instruction, que la police, que la justice agisse. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les présidents de club?